Религия, спектакль, фрагменты жизни. Si vous pouvez dire quelques mots sur ce qu'on voit. En fait, vous êtes ici dans l'antichambre du cabinet de curiosité, donc Fragment de vie. Et c'est une installation qui regroupe plusieurs personnages en situation. J'offre à chaque spectateur le loisir d'imaginer ce qu'il voit. Mais ce sont des scènes, en fait, de la vie quotidienne, quand même. Et ça, c'est dans le cabinet de curiosité. On va retrouver, donc, ce style de personnage. Et aussi, à l'intérieur du cabinet, là, il y a effectivement une mise en scène et de la manipulation en direct, dans live, donc avec deux célèbres marionnettistes de la compagnie Moving People, qui anime ce superbe cabinet de curiosité. Comment vous êtes venu vers ces objets tellement uniques, tellement extraordinaires, c'est-à-dire les objets de la vie quotidienne qui, voilà, ont une âme, un visage. Comment vous êtes venu cette idée de donner l'âme à des objets de la vie quotidienne qu'on n'utilise plus? Bien sûr. Mais déjà, j'habite en milieu rural. Donc, je côtoie des vieux outils dans les granges et dans les villes-greniers, dans les brocantes, voilà, qui ont attiré mon regard. Parce que quand j'ai vu ces outils, ils me parlaient vraiment, enfin, ils parlent de mémoire déjà d'eux-mêmes. Ils sont très, très puissants. Et puis, j'ai vu qu'à l'intérieur de l'outil où on met le manche, j'ai vu une figure, qu'on pouvait mettre une figure, et c'était le point de départ de mon laboratoire, parce que je considérais ça comme un laboratoire. Et pendant 10 ans, j'ai continué à faire cette collecte de vieux outils, et puis de les mettre en scène. Et voilà, quoi, c'est simplement le modelage des visages qui donne aussi des expressions, et on a envie de les voir bouger, quoi. En plus, c'est pour ça que j'ai créé le cabinet de curiosité avec une partie animée. Je vais vous montrer, pour vous montrer l'assemblage. Tout est en fait des assemblages. C'est un vieux ciseau pour mesurer, un entonnoir. Ici, c'est vraiment. J'ai enfoncé un ressort et puis pour coincer une pièce qui fait un peu office de. Qui sert. C'est ça l'entonnoir. Et puis, j'ai vu tout de suite que je pouvais faire un personnage et une
femme, on emboîtait ça, comme ça. Et puis, j'ai glissé dans cette pièce pour faire les bras. Et puis après, bah, j'avais plus qu'à faire un petit décor comme ça. Et puis la tête. Et la tête, enfin, la tête. Ça, c'est la tête. Voilà, ça, c'est la tête qui s'emboîte. Hop, comme ça. Et selon, déjà, on voit que c'est possible d'avoir du mouvement. Et ça, c'est ça, j'aime bien, quoi. C'est en fait, voilà, c'est parce que j'aime le théâtre d'objets, j'aime l'objet animé, la marionnette, et toutes ces choses vivantes comme ça. J'ai la chance d'avoir voilà, des personnes qui aiment mon travail et qui se sont passionnées à ce que je fais aussi. Et ça prend forme, vraiment. C'est une communion entre toute l'équipe là. Et voilà, donc après, là, je trouve des supports différents. Et voilà, elle a une posture, et ce qui est intéressant, c'est justement que je peux lui en donner d'autres. Mais ça, il faut chercher le point d'équilibre, parce que là, hop, elle va tomber. Et en fait, il faut trouver le point d'équilibre. Ça, c'était, en fait, ça, c'est un assemblage qui est intéressant, parce que je vous la mettre et puis je la démonte, parce que dans tous les cas, je dois la démonter, quoi. Donc voilà, vous l'avez là. Et il y a aussi un petit diablotin qui est en haut. Qui est celui-là, par exemple. Voilà. Et c'est un tableau que j'ai appelé l'éveil. Et qu'est-ce que c'était au départ, cette dame? C'était une pioche. Possible, hein. Ça, c'est possible. Vous avez dirigé le festival des marionnettes. Voilà, quand j'étais à Paris et puis je me suis installée en Ariège et à Mirepoix où il y a le festival international de la marionnette, mais très rapidement, voilà, j'ai changé de vie et je me suis intégrée et j'étais directrice pendant quelques années de ce festival. Et j'ai vu beaucoup de spectacles à Charleville-Mézières, bien sûr, et c'était, voilà, c'était une nourriture, quoi, que donc, j'ai forcément ressorti de mon travail. Donc vous créez le spectacle ensemble avec les deux jeunes filles, Marianatis. Voilà, de la compagnie. Qui, en fait, qui prennent vos créatures, vos créations, et puis essaient d'imaginer comment on peut les animer. Voilà.